Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, une nouvelle présentation d'un upgrade que j'ai chopé pas cher. J'ai payé 6 balles. Alors c'est tout simplement. Tu vas le savoir juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Moi, je suis prêt. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai, moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les potos, donc aujourd'hui, petit achat upgrade. Il y a quelques temps, je m'étais chopé le Blu-ray Contagion. Voilà, le petit Blu-ray Contagion que voici. Super film, franchement, rien à dire, avec un casting mais de malade mental. Hein. Donc on a Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, on a l'acteur Laurence Fishburne. Donc, celui qui faisait Morpheus. Et on a Gwen Paltrow ici. Désolé pour le pseudo, enfin, pour la prononciation. Donc, ici, voilà. Donc, très, très, très bon casting pour un très bon film. Et ici, bah, j'ai rentré pour 3 balles. Enfin, il me revient à 7 euros. Avec les frais Vinted, j'ai rentré tout simplement le Steelbook. Bon, c'est le Steelbook au format DVD, mais ça reste quand même un Steelbook. Malheureusement, il n'y a que ce steelbook là qui existe aujourd'hui pour celui-là. Et en plus de ne pas avoir payé extrêmement cher, eh ben, j'ai tout à l'intérieur, le DVD plus le Blu-ray. Alors ici, je vais faire un petit, une petite vérification au niveau du Blu-ray, voir un petit peu si ma copie ici contient plus de bonus que le Blu-ray que j'ai là. Et bon, le DVD, moi personnellement, je vais pas le garder, je vais le revendre, je pense. Mais déjà voir un peu ici, voir parce que toi il n'y a pas d'indication derrière. Je vais voir un petit peu par rapport au Blu-ray et au DVD, quels sont les bonus qu'il y a dessus. Et si j'ai vraiment tous les bonus qui sont contenus sur ce Blu-ray là, je garderai ce Blu-ray là. Et je revendrai tout simplement le combo ici, DVD Blu-ray sur Vinted. Et je garderai bien sûr le Steelbook. Donc voilà, petite présentation assez rapide d'un petit film mais vraiment ultra culte, donc un upgrade. Donc quand je peux les avoir en steelbook, ben, j'essaie de les choper, sauf que ici, bon, ben, je n'avais pas vu tout de suite qu'il y avait un steelbook qui existait, sinon j'aurais pris directement cette copie là plutôt que d'acheter le Blu-ray ici. Mais bon, ça arrive des fois, hein, des petits achats un petit peu trop rapides, compulsifs, non pas compulsifs mais trop rapides, ça arrive. Et en même temps, ben, ça va me permettre de me débarrasser de ces boîtes Blu-ray de merde. Voilà, hein, soi-disant écologique, hein, mais bon, tu te défonces déjà plus qu'autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Donc ici, petit achat, bah, upgrade, pour upgrader un petit peu, avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif et tout. Donc voilà les amis, donc vidéo assez rapide aujourd'hui, ça change un petit peu des vidéos de 10 minutes, hein, voire des vidéos d'une heure et tout. Donc voilà, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important. Si le cœur t'en dit, bah, tu peux mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir de vous lire. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore un très grand merci, parce que ces 3 derniers mois, j'ai pris quand même pas loin de 40 abonnés. Et franchement, ça fait vraiment extrêmement plaisir. J'essaie d'atteindre l'objectif des 4500 abonnés d'ici cet été, ce serait vraiment cool. Et sinon, l'objectif... ultime, on va dire, pour l'année 2024, ce serait d'atteindre des 5000 abonnés. Ce serait vraiment super sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner, si, bah, bien sûr, si le contenu vous plaît déjà. Et voilà, quoi. Parce que, bon, avoir des abonnés, mais juste pour avoir des abonnés, ça sert à rien non plus, parce qu'on fait des vidéos qui sont pas forcément regardées, parce que les gens s'abonnent, mais ne regardent pas le contenu, donc ça m'intéresse pas non plus. Donc si le cœur t'en dit que le contenu te plaît, que je te plais physiquement et tout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et tout, donc voilà quoi. Et je vous dis à la prochaine, et encore un très grand merci en tout cas des abonnés récents.
ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.